En Malaisie, sur les bords de la Kinabatangan, les calaos nichent dans la forêt primaire, dans la cavité des grands arbres. La conversion de la forêt tropicale en palmeraie à huile menace dangereusement ces populations endémiques de Bornéo. Pour contrer ce phénomène, qui à terme engendrerait la disparition de ces oiseaux, l'association UTAN a développé un projet de construction de nids artificiels en collaboration avec des soigneurs de Beauval et d'autres zoos. Aujourd'hui, les premiers bébés calaos sont nés dans ces nids, ce qui donne un espoir pour les défenseurs de la biodiversité dans cette région.